trouvé, j'ai testé un job qui recrute avec les animateurs du groupe M6 et Pôle emploi. 1,910 kg, tout rond, très joli beurre. Madame, est-ce que vous voulez que je vous le prépare? Oui, s'il vous plaît. Eh bien, c'est parti. Bon, alors, Damien, comment est-ce que je fais pour préparer ce poisson? Alors, dans un premier temps, on va le gratter. Déjà, on va commencer avec par ça. Le début. Avec ça, ouais. Alors, je gratte. Et alors, ça consiste en quoi le métier de poissonnier, Damien, à part vendre du poisson, bien sûr? Eh bien, alors, nous, déjà, dans un premier temps, on a déjà un gros travail de recherche et de sélection de produits. Et ensuite, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de faire un joli étalage tous les jours. On a l'impression d'être un peintre, un peu. On le fait différent tous les jours, donc il n'y a pas de routine, quoi. C'est de la déco, quoi. On fait de la déco, ouais. Tous nos poissons, on les tourne du plus joli côté, tout ça, c'est. On essaie de donner envie aux gens, surtout. Et alors, comment on fait pour devenir poissonnier? On peut se faire embaucher et apprendre sur le tas, ou sinon, en fait, il y a une formation de poissonnier, quoi. Le CAP, le BEP, et puis même maintenant le bac pro, et jusqu'au concours de meilleur ouvrier de France. Bah moi, j'ai adoré ce métier, parce qu'en fait, il y a plein de choses. Il y a du contact, de la passion, de la vente, une obligation aussi. Il faut aimer le poisson, mais certainement, parce que moi, le poisson, j'adore. Vous voulez un homard aussi? Le didon. C'était « J'ai testé un job qui recrute » avec les animateurs du groupe M6 et Pôle emploi.